droit culturel. Déclaration de Fribourg. Article 5. Accès et participation à la vie culturelle. Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle, à travers les activités de son choix. Ce droit comprend notamment la liberté de s'exprimer en public ou en privé dans la ou les langues de son choix. La liberté d'exercer, en accord avec les droits reconnus dans la présente déclaration, ses propres pratiques culturelles et de poursuivre un mode de vie associé à la valorisation de ses ressources culturelles. La liberté de développer et de partager des connaissances, des expressions culturelles, de conduire des recherches et de participer aux différentes formes de création ainsi qu'à leurs bienfaits. Article 8. Coopération culturelle. Toute personne, seule ou en commun, a le droit de participer selon des procédures démocratiques à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des décisions qui la concernent et qui ont un impact sur l'exercice de ses droits culturels. Article 11. Responsabilité des acteurs publics. Les États et les divers acteurs publics doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques, respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans la présente déclaration dans des conditions d'égalité et consacrer au maximum leurs ressources disponibles en vue d'en assurer le plein exercice.